Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playlist de l'épisode de Robocraft, chers amis, un épisode avec le Six-Tailed Beast, je sais pas trop. Bref, la bête à six queues, hein, bien sûr. Donc, on va essayer de faire une partie de Team Deathmatch. J'espère que ça sera concluant, honnêtement. On verra bien. Maintenant, advienne que pourra. Ouais, ça va le faire. The battle for Ophiuchus Valley has begun. Ça va le faire. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est sympa. J'aime beaucoup. C'est une espèce de petit crabe. Oula. Dégage. Bon, ce serait bien qu'avec le seul même principe que les comment que les bombeurs là, les bombardiers là, qu'on puisse charger notre tir. Si les bombardiers peuvent tirer en rafale, ce serait bien qu'on puisse charger notre tir. Spotted. Continue, couvre-moi. Spotted. Ne me couvre pas. Hop. Hop. Je vais essayer de remonter. Mais c'est pas dit que j'y arrive. Ok, hop les. C'est plutôt bien passé cette partie. Pour un vaisseau qui n'est pas censé faire du combat rapproché, je trouve qu'il était plutôt bon. Il était meilleur en combat rapproché qu'en combat à distance. Mais en même temps, vous direz, j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup d'ennemis aériens. Bon, peut-être qu'une impression. Ok, bah c'est cool. Et oui, il a encore le x2, donc on a encore le même bug, hein, toujours. 317 000 crédits, c'est toujours ça de prix. On arrive donc à 8 millions. En tout cas, je sais ce que... Bah oui, mais il faut 250 flops pour le faire. Je pense pas que j'aurai ce qu'il faut. Bref, on verra bien le moment venu. On verra bien le moment venu. De toute façon, pour l'instant, ce n'est pas une possibilité. Alors. Je suis en train de réfléchir, chers amis, au final, si je veux mettre plus de commandes d'équipement entre guillemets à mon robot, il faut absolument que je passe en TX. En soi, c'est ça. Donc je pourrais presque déjà entre guillemets acheter le module de TX. Ok, bon, ça veut dire qu'il faut passer par là, j'ai l'impression. Écoutez, c'est parti. Quelle ambiance. Alors. Hop. Ça faut savoir.
Je ne vois aucun ennemi. Ah, c'est un allié, putain, fais chier. Je loupe mes munitions à cause d'un allié qui se balade déjà dans le camp adverse. Hop les salto. Hop, accroche-toi. Parfait. Là. Allez. Putain, mais je vois rien moi dans le coin là-bas. Il y en a qui sont fouettés à la pelle. Je ne vois aucun ennemi. Hein. C'est incroyable. C'est censé y avoir quelque chose là-bas, mais je ne le vois pas. Et là je le vois, mais lui aussi il va me voir. Lui. Ok, bref, on remonte. C'est la guerre. Wow. Non. Non. Ok. C'est bon, on a perdu une jambe dans l'histoire, mais c'est pas grave. Personne ne se souviendra de lui de toute façon. Ah. Oh, je l'ai pas eu, dommage. Il en reste 3, 4 qui vont se faire rouler dessus, pardon. Ok, j'ai eu un kill au moins. Et l'autre va se faire rouler dessus aussi. Voilà, on l'a vu en direct. Il était là et il s'est fait rouler dessus, le pauvre. Bon, 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 bon. Alors, bébé du 25, Barne ou 2. Je sais pas, Barne ou 2. Qui parlait anglais dans le chat, apparemment. Ben voilà, encore une victoire de canard, comme on dit. Bon. Alors, nous sommes à... Ouais, voilà, donc c'est ce que je disais. Si ça se trouve... Oula, heureusement, bon bah je suis au courant maintenant. Si ça se trouve, ce qu'on ferait bien de faire, chers amis, c'est d'acheter directement ça, après tout. À 1 million. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant... Je vais dans le garage. Ça change strictement rien, mais là, j'imagine que dans spécial, il faut que je place un cube de ce genre-là. Et là, on peut passer à 7500... 75 flops et on est en méga déjà. D'accord. Ah oui c'est vrai, ici c'est ça. Ok. Alors, est-ce que je peux pas justement faire un... Hop, voilà. Crac. Hop. Voilà. Déjà ça. Qu'on a déjà un quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ça veut tout dire ce que je viens de dire, chers amis. Hein. Cherchez pas, ça veut absolument tout dire. Mouvement. Est-ce que là, qu'est-ce qu'on a en TX en fait, en mouvement à l'heure actuelle? On a les méga mech legs pour un total de, si je compte bien, 5 millions chacune, ce qui coûte déjà relativement cher. Là, ça revient à peu près au même prix. 2 500 000 les deux, donc ça fait, il en faut 4, ça fait à peu près 10 millions. Ça va nous revenir à cher. Ça va nous revenir à très cher. Mais bon, c'est un début. C'est un début, c'est un début, c'est un début. Juste pour voir, ça donne quoi quand on le colorie en... moche. Ok. Moche. Ok. Très moche. Ok. Moche. 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 Moche, 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 et encore moche. Bref. Ok. Eh ben écoutez, on verra bien le moment venu. Bon. On est encore loin d'avoir un méga. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on repart avec... Ouais, on va repartir avec le sniper.
Il est efficace, lui. Hop, XX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 
Mais c'est pas grave. Souffle, Marcus, souffle. Ah bah il est 300 000 encore, oui. On y retourne. Cette fois-ci, on va y arriver. Cette fois-ci, on va y arriver. Oh là là, l'horreur. L'horreur, l'horreur, l'horreur. Alors lui, il a un générateur de bouclier devant. On a le robot gay Pride avec nous. Stéphane, Stéphane, Stéphane. Mega Happy Mind. Tharsis Rift has begun. D'accord. Ok, je sais pas si j'ai envie de la jouer cette game. Franchement, je viens de voir à quoi on allait ressembler, c'est une catastrophe. La place habituelle des snipers. Raté. Est-ce que je peux toucher mon adversaire? Ok. Spotted. Alors, le pire c'est que... Oh, on tire. Ça touche. Ah, j'espérais qu'il se retourne, à vrai dire. D'accord. Ces canons ne regardent même pas. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec leur jeu, chers amis, mais ils ont vraiment chié dans la colle. Hein. Honnêtement, ça ressemble vraiment à rien. Les canons tirent dans tous les sens, en fait, littéralement. Oh, c'est sympa ça. C'est très institute-like. Hein. Rapport à Fallout. Fallout, le jeu que je peux pas jouer. Mais ce n'est pas grave, chers amis, ce n'est pas grave. Nous allons faire sans. Sans Fallout. Bon, encore une défaite. On en refait une dernière, chers amis. Si c'est une défaite, on s'arrêtera là pour cette vidéo. Hop. J'ai tourné une chier de Robocraft cette semaine. Ça va être la fête pour vous. Mais bon, faut vraiment qu'ils mettent des fixes. Hein. Là, ils méritaient pas de partir en week-end, les mecs. Hein. J'ai hâte de voir le comment le sniper TX, honnêtement, j'espère que ça va exister vite. Okay. En douceur. Spotted. Pas trop stupide. Spotted. Oh. Spotted. Spotted. Oh. Okay.
hauteur de mon champ de vision. Oh les petits lacs comme ça, j'aime pas ça. Aïe. Comment, je crois que c'est un B2, un bombardier furtif. Il est très 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 joli. Et vraiment minuscule. Hein. Ça c'est un vaisseau par exemple que j'aimerais beaucoup avoir. Et je le mettrais potentiellement, je pense, en chasseur. J'y mettrais du SMG dessus. Ouais, c'est vraiment un très très beau robot. Peut-être sur ça que je vais me diriger. Tout simplement. Bon, et bien comme prévu, chers amis, si c'était une défaite, on devait se laisser là. Et bien écoutez, c'est aux alentours de 8 millions qu'on se laisse sur cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Encore une fois, je suis désolé, hein, en ce moment, je n'ai plus ma tour, elle est en réparation, je n'ai pas encore de nouvelles, hein, je pense que j'en aurai demain ou après-demain. Mais bon. Je vous tiendrai au courant sur son état de santé. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop les